Pourquoi tu es devant moi là? Elle dit qu'elle est sorcière. Elle est sorcière comment? Vous parlez parce que j'ai pas assez de temps. Elle est sorcière comment? Non, so, il y a Zosa encore. Elle dit qu'elle est sorcière, elle mange. Elle mange quoi? Elle mange quoi? Elle mange l'homme. Elle mange l'homme. Oui, papa. Demande si c'est tout. Oui, y'a néné. Défi. Elle dit c'est doux. Dis que vous voulez. A néné, mais nous, manine. Aïe. Elle dit oui. Poulet est doué, donc ça vient de l'homme, mais c'est doux que poulet. Bon, bref, qui t'a donné ça? Tiens, on vous le nom. Il vous sert qui? On vous dit. Elle dit c'est sa grand-mère maternelle. Elle vient d'où? De quelle région? Elle vient de dans la région de Ziruna. Ziruna. Ok. Comment vous appelez ça, celui-là, dans le monde? Zo. Vous avez trouvé le nom de Zo. C'est vrai, c'est Zo. Donc c'est elle qui t'a donné Zo. Oui, papa. Comment elle t'a donné ça? Il y a mieux en effet de l'hiver. Elle lui a donné dans la nourriture. Comment? Okay. Et faible les données. Oui, elle dit qu'elle a préparé nourriture et elle a mis viande de brou de dessus. Elle ne savait pas que c'était viande de l'homme et puis elle a mangé. La nuit, elle est venue la chercher. Et puis, elles sont allées dans le monde de la sorcellerie. Et puis, elle lui a donné viande de l'homme avec sang de l'homme pour manger. Et puis, elle dit de rembourser sa viande. Qu'elle a remboursé par son papa. Elle s'est transformée en hibou. Pour aller derrière son papa au campement. Arrivé là-bas, elle s'est transformée en l'homme. Elle a appelé son papa par son nom Clément trois fois. Et puis son âme est sortie, elle a récupéré. Pour l'envoyer dans le monde de la sorcellerie. Et puis ils l'ont transformé en cabri pour manger. Elle a mangé le cœur et la tête. Tu as tué combien de personnes au total? Elle a tué 50 personnes. D'accord. Quels sont les gens que tu as gâtés? Les gens qui ont gâté. C'est vrai. Elle dit qu'elle a gâté mon argent et l'argent de sa maman. Toi? Moi. Je te vois pas là. Parce que là, il faut que je parle bien. Voilà. Qui? Je parle maintenant. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Elodie, non? Elodie. Elodie, qui il est pour toi? Il ne dit rien. Attire. Je suis son oncle. Ok. Pourquoi tu as gâté son argent? Mais vous voulez y aller en Israël? Waouh. Elle dit on l'a envoyé.
Qui est moi? Ma grand-mère. Grand-mère, qui est? Côté papa. Sa grand-mère côté papa. Comment elle s'appelle? Voilà, non? Voilà, elle s'appelle Zamlelou Boué. Ok. Ça veut dire quoi? Elle était mixée par sa mère, grand-mère maternelle, c'est ça? Elle était, oui papa, elle était initiée oui. Par sa grand-mère maternelle. Maintenant, pour vouloir détruire toi ton argent, c'est sa grand-mère paternelle qui l'a envoyé. Oui papa. Il y a eu quel lien? Mais avec les femmes, il est sur le monde. Mais avec Ali, maintenant. Il fait que les états, les gens. Parce que nous n'étions pas là-bas, donc vous nous expliquez, vous comprenez. Comment quelqu'un qui t'est ici, maintenant ta grand-mère maternelle t'envoie en mission. Il y a quel lien? Elle dit qu'elle pratique la sorcellerie avec elle. Oui, comment? Depuis quand? Car. En amont. Que ça fait une longue durée. Il se voit là-bas. Car qui. Elle dit qu'elle se voit. Quelle était la première rencontre? Car qui est venu, Kleka. Le faible et le noir. Mes filles m'ont bien dit qu'ils jouent. Elle est faible et noire. Hein? Elle dit qu'elle lui a donné nourriture. Mm-hmm. Elle voulait danser. Et puis elle est venue la chercher. Elle voulait coco. Elles sont allées dans le monde de la sorcellerie. Et toi, tu t'es déjà sorcière, non? Oui, papa. Oui, mais elle sera venue te donner la nourriture. Elle est déjà. Je vois qu'elle a dit. Il est faible et nous n'est pas. Et faible est à moi. Elle dit qu'elle a. Augmenté. Qu'elle a augmenté. Elle a dosé ça encore. Voilà. Donc tu es venu avec pour toi du côté maternel. Et puis maternel, puis maintenant paternel dit bon, je dose ça encore. C'est ça? Maintenant, tu as quel niveau maintenant, puisqu'ils l'ont dosé? Niveau qu'est-ce qu'il a, Nami? Ma reine. Elle dit qu'elle est là, qu'elle est reine là-bas. Elle est reine? Oui, papa. Qui l'a introduisé? Parce qu'il y a tant de reines au roi, des trémis qui t'a introduisé. Voilà. Il pleut la reine qui est Ingrid Brina. On peut faire. À 15 ans. On peut faire. Elle dit c'est sa grand-mère paternelle. Comment? Qui lui a donné le pouvoir, la trône. Le trône, là, comment elle a fait? Bécré, Kafan et Bécré. Ami Dougan. Antibouéna Dougan. Elle dit qu'elle a tué une de ses tantes qui est la femme de notre grand frère. C'est par là qu'elle lui a donné la trône. Qui a tué le trône, pardon. La femme du grand frère, qui? Marie. Elle dit c'est elle qui l'a tué. Ah, donc elle a tué la femme de qui? De toi, notre grand frère. Toi, ton frère? Moi, mon frère. D'accord. Qui est. Ah, d'accord. Elle est venue du côté paternel, puisqu'elle a grandi du côté maternel. Oui. Elle est venue chez Dieu. Elle a tué la femme de l'un de votre frère. De il notre frère. Papa vous dit. Le frère la vit. Il vit. Ah, d'accord. Comment il s'appelle? Il s'appelle Boti Moussa. Zewibi Boti. Mais Moussa l'a quitté où? Bon, c'est son surnom comme ça. Moi je pose question. Moi je pose question. Je veux tout savoir. Sinon son prénom c'est Marcelin. Comme c'est son nom, son prénom c'est Marcelin. Ah, voilà, maintenant, il faut dire son nom, il faut dire Moussa, il faut poser question. Si j'en ai vu Gouro Moussa, moi, ce que tu fais, il doit me dire. Ok, bref. Voilà, donc, elle a tué. Et le monsieur, et vous savez que la femme est morte? Oui, elle était morte. Elle est morte. Donc, c'est en quelle année? Morte. Vous dites? Elle est morte en quelle année? 2015. Voilà. 2015, c'est ça? Papa.
Nous sommes aujourd'hui en 2019, c'est ça? 2019, oui papa. C'est important de savoir tout ça. Hein. Vous, ça va vous ouvrir l'esprit. Mmh. Et puis, on va mettre fin à ça par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Voilà, parce que tout compte fait, rien ne se cache sur cette terre. Amen. Voilà. La sorcellerie, il va beau faire, voici ça, ça commence à se dévoiler. Elle est morte, on pense. Elle est morte de quoi en réalité? Parce que c'est la sorcellerie, elle est morte de quoi? Oui, quelle maladie? Mais gay, gay. Ouais, il a ouvert le. Elle voulait un coup. Elle est morte par une opération. C'est comme ça, elle est morte? Oui. Mais elle est morte pour elle. Toi, tu as fait quoi? Pour qu'elle mette l'opération? C'est ce qu'il veut savoir. Mais que les femmes aient opéré. Ouais, à toi, ça m'a l'air ton bélier. Oui, mais je suis maman. Que c'est maladie du ventre, mot de ventre qui. Non, ça c'est mort, je ne veux pas. Elle, là, quelle est l'action qu'elle a posée pour que ça soit qu'il y ait mort? Ça c'est maladie, on sait, mais elle, quelle est l'action qui prouve que c'est elle qui l'a tué? Voilà, mais que la fin, il y a un bien. Elle dit mot de vente. Donc c'est elle qui a envoyé le mot de vente. Ouais. Mais c'est ce que je veux entendre. C'est ça, oui papa, c'est ça. Quelqu'un qui meurt d'opération, tu dis que tu l'as tué. Bon, c'est un mystère. Attends, ça, tous les gens vont dire, mais tu es bête, tu entends d'accuser quelqu'un. Donc on veut expliquer que sa mort, c'est une maladie très mystique, c'est ça? Oui papa. Mais c'est ce que je veux saisir. Ok, donc elle a connu une maladie mystique, elle allait se faire opérer, elle est morte parce que la maladie était mystique. Elle est oui, papa. C'est là qu'ils ont remis le trône. Oui, papa. Donc ça veut dire, tu es grand là-bas. C'est comme ça qu'ils t'ont dit de venir tuer le monsieur. Donc, tu as gâté son argent. Tu as gâté son argent. Oui, papa. Et qu'est-ce que tu as fait sur lui encore? Malgré. Elle dit qu'elle m'attache. Ah, attaché, gros monsieur. Ton nom est attaché. Le monsieur a dit le moins. Tu l'as attaché comment? Il y a guère au coup, il bélier, vous n'en croyez pas, ma lettre en bélier. Ma lettre en bras bélier, vous m'en délicez en bré, malgré. Elle dit j'étais couché dans ma chambre et puis elle est rentrée, elle m'a appelé par mon nom trois fois et puis mon âme est sortie, elle a pris pour aller m'attacher. Couler sans protéger, mouton sans protéger, on prend pendant le cadeau. C'est comme ça. Tu l'as attaché où? M'attache, malgré que les hommes. Vous faites qu'un an. Ma griffe là. Elle dit qu'elle m'a envoyé au village pour m'attacher. Ah, vous vous dites, ma gerbe. Je veux savoir. Girima là. Girima, ma clou, Borian. Qu'elle m'a transformé en cabri pour m'attacher. Ah, ben. Cabri. Cabri, bruit de cabri. C'est quelque chose pour ne pas voler la nuit. On ne vole pas cabri. Si tu veux voler cabri, ils vont t'attraper. Et puis cabri, on fait sauce claire, vite, vite, manger. Donc il est cabri. Mais comment tu peux dire un être humain, il est cabri, le gros monsieur, il est cabri. Et il est au village, dans les herbes. J'espère que tu le nourris à herbes quand même. Il m'a un an, il y a un blimi. Ah, blâme, il est. Papa, c'est les herbes. Laisse le monsieur Maya Foutou, son grain, c'est un grain, monsieur. Donc, ça arrive, tu es là. Et souvent, les gens, ils dorment. Leurs âmes, ça arrive, ils dorment. Votre âme, il y a des gens,
Ton âme se balade partout. Tu ne sais pas où tu te trouves. L'homme est composé d'une âme, d'après d'un esprit, d'une âme et puis d'un corps. C'est l'âme-là. Le diable, les gens ont affaire à l'âme. Et quand ils ont affaire à ton âme, tu as l'impression que toi-même, là, tu fais un voyage sans fin. Tu ne sais pas où tu te trouves. Les gens qui se rêvent, ils sont dans les coins où ils ne savent même pas où ils se trouvent. Ça veut dire que quelque part, ton âme est en train d'être détruite. Tu ne me voyais pas, tu peux arrêter tes trucs, tu fais. T'as compris? T'as compris? Hein? Il est appris ici, toi, tout de suite. La folie qui va te prendre, tu ne peux même pas prier pour toi pour que tu sois délivré. Ce que tu as recommencé à faire, si tu te concentres, ferme ta bouche, tu te concentres pour pouvoir moi m'attaquer. J'ai crié sur toi et tu vas devenir fort tout de suite. Tu as compris? Tu as compris ce qu'il a dit là? Oui, papa. Tu voulais faire quoi? Qu'est-ce que tu t'es en train de faire? Je voulais y amener un crâne là-haut. Réponds-moi. Ah oui, donc, aïe, aïe, aïe. Il y a la main, crâne là-haut. Réponds-moi pour ton côté. Réponds-moi. Ma belle enfant. Elle dit qu'elle voulait quitter ici. Elle est en train d'essayer ou même quitter. Ah. Quitter, dis-moi. Elle dit quoi? Il y a là, elle voulait essayer. Elle dit quoi? Elle dit oui, qu'elle voulait essayer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit qu'elle voulait envoyer flèche. Flèche là-même, là, ça allait contre toi tout de suite. Il faut faire attention. Moi, je suis prêt. Je te dis la vérité. C'est toi qui n'es pas protégé. Moi et Jésus, je suis protégé. Tout ce que tu fais là, je vois. C'est la dernière avertissement. Si tu recommences, et puis je veux que tu recommences. Comme ça, les gens vont voir la puissance de Dieu, tu chutes. Amen. Ils verront la puissance de Dieu, tu chutes. Amen. Tu vas devenir fort, tu chutes. Et tu vas mourir de cette folie. N'importe quoi. Je ne suis pas quelqu'un qu'il faut jouer. Si tu ne veux pas te délivrer, parle doucement. Ce gros-là, tu as transformé en cabine. Dieu va te délivrer. Il va devenir bon chrétien, il sera protégé. Amen. On va briser ça tout de suite. Amen. On va briser cet homme-là, il sera délivré. Amen. Tu as vu comment ta sorcellerie est belle et tu mets dans les problèmes. Et donc tu vas le tuer. Il t'a donné l'ordre, la permission de toi le délivrer. Excusez-moi, je vais te toucher. Qui t'a donné l'autorisation, plein de pouvoir de le détruire? Qui est Zinu Nerena Yayi Fafansre? Il vous serait qui? Elle dit, c'est sa grand-mère du côté paternel. C'est elle qui a dit de le tuer. Comment elle s'appelle? Zambli Rouboué. Tu as programmé combien de personnes? Il m'a programmé pour d'or. Mais viens. Elle dit c'est 4 personnes. Ok. Donc la première personne, c'est lui. Comment tu t'appelles? C'est Hervé? Non, c'est Zoé puis Zoé Henri. Ah oui, pardon, autant pour moi. Henri. Mm. C'est Henri, ok? Tu as programmé Henri. La deuxième personne, c'est qui? Bois Francis. Evaris. Quoi, Evaris? Zoé puis Néné Evaris. J'aurais dû mener Evaris. Qu'est-ce que tu as voulu faire, Evaris? Il y a un mec dans le coin, Evaris. Elle voulait le tuer. Ok. Et lui, il va mourir, c'est ça? Il y a un dragon. Elle dit, il ne meurt plus. Non. Réponds d'abord à ma question. Henri, il va mourir, c'est ça? Non. Quand? Mais il a.
Et quand vos gens blaguent, fiez en rien. Le 2 janvier. C'est le 2 janvier qu'il allait mourir. Comment? Mais. Et quand accident, hein? Par accident. De voiture. Ok. Et donc Évariste l'a programmé aussi. Comment? Et assis en français dans l'avion, si il devait, si il devait quitter en France pour rentrer en Côte d'Ivoire, l'avion allait se renverser avec eux. Ok. Quelle est la troisième personne, c'est qui? Ambrou. Zéro. C'est qui? Sa grande soeur. Où elle est? Elle arrive. Elle est à son fond. Vous voyez que la sorcellerie, vous voyez comment c'est familial, c'est expliqué là. La sorcellerie familiale. Quand vous avez la sorcellerie, ça détruit. Où elle est? Tu es grand, c'est. Il y a la buisson là, même comme ça. C'est ta grand, c'est. Tu as fait quoi, c'est? Il m'a écrit à la pépé, cracra. On a les hommes, là. Qui est plus fier? Non, c'est toi qui donne l'interprétation. Papa a dit elle est sa femme dans la sorcellerie. Ta grande soeur là, c'est ta femme. Je comprends pourquoi tu maigris. Elle te fait l'amour seulement tous les jours. Excusez-moi, elle agresse seulement tous les jours. C'est ta femme. Oui, papa. Tu as qui dit? Oui, papa. Aïe. Toi, tu es femme, tu as qui dit? Tu as qui dit comment? Merci. Je tape mon pied trois fois. Où est-ce? Comment tu fais? Montre-toi, comment tu fais? Et puis, ça sort de l'île. Ça sort de l'île. Et ils n'ont pas petit Kiki. Kiki va te tuer. Et ça, les sorciers ont ça. Et qu'est-ce que tu fais à ça? Mes filles, mes écrans. Hein? Mes filles. Ah, réponds-moi, tu fais quoi ça? Mes filles, va créer. Elle se couche avec elle, est ça. Qui fait l'amour avec elle? Oui. Tous les jours. Tu as 800 la main. Et c'est tout ce que tu as fait? Et puis, ma maladie, là, elle a épousé en sorcellerie. Ta femme en sorcellerie. Mais même pas belle, tes femmes, tu vas. Excusez-moi. Pourquoi tu fais ça? Hein? Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Okay. Elle reste là à côté. Parce que je sens. Comment tu t'appelles? Ma
Véronique. Elle a vu tout ensemble. Chaque nuit, elle est sur toi. Il y a comme un enfant comme ça. Il y a bois sans dans son sang là-haut. C'est malheureux. Au lieu de lui apporter les bonnes choses pour ta vie, c'est la destruction. Tu veux être délivré? Je parle pas de toi d'abord. Je parle avec. Je parle avec. Son nom. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il faut dire que tu es élève. Elle est élève. Je suis élève. Touche ta tête comme ça. Voilà. Pendant que tu touches ta tête, je commande à l'esprit, cet esprit de des ténèbres sur ta vie. Je maudis cette présence par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déplie ce pouvoir des ténèbres et je proclame ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance de maintenant. Je commande, je prononce le divorce à partir d'aujourd'hui. Le divorce est prononcé. Touche plus à sa vie. Je libère son âme. Je libère au nom de Jésus. Je libère sa destinée. Je libère sa destinée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Puissance de Dieu, je commande à cet esprit de libérer totalement ta vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance. Angèle, touche sa tête. Reçois cette grâce de Dieu. Je la déclare libérée au nom de Jésus. Amen. Amen. Le jour où elle va se tromper pour venir t'embrasser, elle va rendre témoignage. Amen. Amen. Finis pour libérer. Amen. Je suis. Tu as dit quatre personnes. Il y a Henri. Il y a une valise, il y a ta soeur. Quelle est la quatrième personne? Sa maman. Elle est où? Qui est ma femme. Ida. Pardon. Je vais bien, papa. Je vais parler pour vous. Va m'endro. Oui. On est en train de régler un problème très sérieux, d'accord? Amen. Mais en même temps, elle a aussi besoin de notre aide. J'aurai l'occasion d'expliquer ça. Par la grâce de Dieu, excusez-moi, je veux avoir quelque chose. Parce que la sorcellerie, c'est comme une maladie. Malheureusement, quand on a ça, n'est-ce pas, quand on a ça, ça détruit, n'est-ce pas, tous nos proches, malheureusement. Alors, je suis en train de vous aider. Mais en même temps, il faudrait comprendre que la sorcellerie, là, elle est poussée par une force mystique. Elle aussi, elle a besoin d'être délivrée pour qu'elle soit en paix. Parce que quand tu es dedans, c'est une mission. C'est-à-dire, ça, c'est plus fort qu'elle. Pour que vous compreniez ça. La petite, là, même si vous demandez, elle ne peut pas se maîtriser. Peut-être que si on la délivre tout à l'heure, si Dieu le veut, parce que tout dépend de Dieu, les choses iront bien chez elle. Mais jusqu'à maintenant, même si on lui dit d'aller en France, elle va venir en France. Si on lui dit d'aller à Tokyo, elle ira à Tokyo. C'est-à-dire tout le pouvoir d'elle. Donc elle était initiée. Vous avez bien compris que non,
Pourquoi moi tu m'as gâté? Ça ne vient pas là. Non, il faut. Pour que vous arrivez là, le hasard n'existe pas. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Donc, ne l'en voulez pas après. D'accord, papa. Voilà. Pas que ça allume une guerre de famille, familiale, non. Parce que je vous connais où le boulot. Non. Quand vous prenez à faire des sorcelleries, là, vous vous envoyez ça. Non, papa, c'est ma fille, elle ne peut pas faire ça. Les hantées. Vous avez compris? Oui, papa. Ok. On va l'aider. C'est vrai que je parle avec elle, mais j'ai plus de compassion pour elle. Parce que Satan l'a berné. Tu vois, c'est par ruse que le diable a récupéré. Donc nous, par amour, récupérons-la, mettons-la dans Jésus. Amen, papa. Récupérons-la. Dieu l'aime, il aime aussi les mauvaises personnes. Amen. Qu'est-ce que tu as fait sur la femme? Il m'a écrit. Elle a pris son âme. Tu mets ça au cou. Il voit que le mari est capri, femme aussi. C'est vous qui avez mis âme et la femme. Il fait qu'elle a. Elle a envoyé au village aussi. Vers où du village? Voilà. De la maison où est la âme. C'est bon. Gounala est très beau. Elle a envoyé ça dans mon village natal. Où est l'attaché de l'âme de ce village? Mais pour le docteur. Pour le docteur, c'est la route de l'âge. Tu l'as transformé en quoi? En primaire. Elle m'a transformé en cabri. Deux cabri. Et c'est tout ce que tu as fait? Il m'a écrit signe là. Elle a gâté son agent aussi. Elle a tout gâté. Elle a tout gâté. De quoi d'autre? Il m'a écrit signe. Elle a gâté son mariage. Comment? Elle a pris la bague du mariage en sorcellerie. Faut qu'elle explique ça. Si ça m'intéresse, pour que les gens comprennent un peu de quoi les sorciers sont capables. Comment ça? Elle s'est transformée en hibou pour entrer dans la maison et elle a pris pour mettre ça dans le canari pour ne pas qu'on se marie. Donc depuis là? Depuis là, on a parlé, c'est bloqué. Mais la bague est faite. Mais on a déjà fini de payer bague là. C'est à la maison. Vous avez payé le cadet. Voilà. Mais on ne va pas à la mairie. On ne va pas à la mairie. Ça fait combien d'années? Depuis octobre passé. Oui, papa. Ça fait déjà bientôt un an. Donc c'est elle qui a fait ça. C'est ce qu'elle dit. Mais oui. Sinon, quand on fait rien, c'est qu'on est prêt. Et le mystique peut empêcher ça. Voilà, heureusement que tout se dévoile. Donc, avant la fin d'année, tu vas te marier. Amen. Papa. On va les présenter. D'accord. On va aller faire l'autre dans la bosse. Amen. Merci papa. Henri. Oui, papa. Tu as compris? Oui, papa. C'est très important de mariage. Amen. Voilà, amen. Donc, envoyez une invitation, on va répondre à ça avant la fin d'année. D'accord. Et parce que ça prend, ça va finir. Le seul problème que les gens ont, ils ont l'argent, ils n'investissent pas dans le fait de Dieu. Si vous n'investiez pas dans la paix de Dieu, ne faites pas des dons au Dieu, autour de Dieu, c'est tout à fait normal. Vous avez des problèmes. Tu aimes Jésus? Oui, papa. Jésus, s'il t'aime. Amen. Voilà. Le diable peut réclamer des choses. Mais quand Dieu décide,
Je te bénis. Il va te ramener à lui. Amen. Il va débloquer ta situation. C'est ce qu'il entend les peuples de Dieu. Amen, papa. Henri. Oui, papa. Entre fétiche et Jésus, qui est fort? C'est Jésus, papa. Donc maintenant, tu fais quoi? C'est la route qui est là. Non, réponds-moi. Bon, j'accepte. J'accepte Jésus. Et après, tu fais quoi? Tu vas laisser Nyeri Nyeri? Mais, papa, si Nyeri pouvait me libérer, je n'aurais pas réussi. Non, réponds ma question. Moi, j'aime oui et non. J'aime bien travailler. Oui. Je serai en Christ. Amen. Et puis, libéré. Donc, la Nyeri Nyeri, la faut jeter. Oui, papa. Tu as beaucoup de fétiches. Oui, papa. Ok. Tu as maison même de fétiches, c'est ça? Maison, non. Non, ça veut dire beaucoup. Tu as une chambre, il y a petit dedans. Il y a beaucoup de fétiches. Oui. Toi, avec eux, ils te voient. Oui, papa. De fétiches. Oui, papa. Tu as un homme qui te protège. Tu as beaucoup de fétiches. Mais tu arrives dans fétiche là. Tu es devenu bête, cadeau. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est malheureux. Parce que pour lui, c'est l'ignorance qui l'a poussé à rire. C'est pas parce que. Parce qu'en réalité, il n'a pas encore vu la puissance de Dieu, c'est pour ça qu'il s'est donné dans le fétichisme. Henri, je sais. Quand je regarde Henri, c'est quelqu'un de conviction. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand il croit quelque chose, ça m'espère. Voilà. Oui, papa. Henri. Papa. C'est pour cela que tu serais un homme très riche. Tu vas être très riche. Amen. Tu vas acheter des remorques. Amen. Tu vas te lancer dans l'achat de cacao. Amen. Amen. Tu vas acheter ce cacao. Tu vas acheter des remorques. C'est mon projet même. Beaucoup de maisons. Donc, ça sera carré. Amen. Quand on va finir des livrances, on va envoyer un pasteur spécialement aller prier pour vous. C'est important. Amen. On va ramasser, on va détruire. Amen. Amen. Ok, la fille là vient. Présentez-nous la fille sorcière. Faut regarder ton papa et puis lui dire, Henri, faut lui dire que moi je ne suis plus dans ton affaire. Je te laisse. Et puis tu dis à la dame ça. Adibario,
Calvario. Calvary, le Dieu qui a vaincu la mort. Jésus, c'est Calvary, le Dieu qui a vaincu la mort. Amen. Jésus, c'est Calvary. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. La mort n'a pas de pouvoir. C'est cela que la mort, que le diable a programmé sur vous. À l'instant même, je détruis cette mort au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous déprogramme au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Madame Marie, touche ta tête simplement. La puissance de Dieu, je prie que la main de Dieu soit sur toi. Et que depuis le village où nous t'ont attaché, depuis le village, je brise cette corde. J'ai détruit, j'arrache ton âme. Maintenant, depuis la France, la puissance de Dieu te touche là-bas. Je te touche, je libère ton âme. Allez, lâche son âme. Voilà, libérez-la. Je brise cette corde qui est attachée à son âme. Je libère son âme. Ou la puissance de Dieu. Le feu consume vos œuvres. Et cette âme est libérée du pouvoir de la sorcellerie. Je libère ton âme, revient en toi, au nom puissant de Jésus. Je brise ce pouvoir. Je brise, je détruis. Reçois ta délivrance. Reçois. Je chasse cet esprit de mort en toi. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Je détruis cet esprit. Pendant que je parle, laisse la main de Dieu, l'épée de Dieu brise cette corde. Et le feu, au nom de Jésus, depuis le village, le feu. Et je ramène ton âme et je commande à l'esprit de mon corps de quitter ton corps. Lâche-la. 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 Voilà, lâche-la. Le feu. 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 Oui, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Vous libérez son argent. Vous libérez sa prospérité. Vous libérez sa vie. Le feu. Nous consume maintenant. Je libère son âme maintenant même. Je déclare la puissance de Dieu. C'est elle. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Ouh, la puissance de Dieu se dégage. La puissance de Dieu. Voilà, la puissance de Dieu te touche maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Reçois la vie. Reçois cette puissance de Dieu. Qui te touche la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui te touche. La puissance du Saint-Esprit touche ton âme. Et reçois ta délivrance. Reçois-la. Reçois-la. Voilà, reçois-la. Ouh, la puissance de Jésus. Ouh, la puissance de Dieu. 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 Ouh, la puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ouh là là. Ouh là là. Au nom de Jésus, ce démon part et quitte ta vie. Cet esprit te lâche. Cet esprit te libère. Ton mariage est libéré. Au nom de Jésus, tes finances sont libérées. La puissance de Dieu libère tes finances dans le nom de Jésus. Je commande, Élodie, touche ta tête, allez. Élodie. Au nom de Jésus, le feu, l'esprit de la sorcellerie dans la vie de cette fille. Je commande à ce démon de la sorcellerie sur toi. Je commande à ce démon de la sorcellerie. Pendant que je parle, je commande à cet esprit. Maintenant même, esprit de la sorcellerie, dans la vie d'Élodie, je commande à ce démon de la sorcellerie. Je commande à ce démon de la sorcellerie. Tu libères son âme. Tu libères son âme. Maintenant, pendant que je parle, le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cet esprit. Sors d'elle. Tu es reine sorcière. De ce pouvoir qu'ils t'ont donné, je détruis ce pouvoir. Je détruis ce pouvoir de la sorcellerie sur toi. Voilà, quitte son corps. Allez, sors d'elle. Va-t'en. Dans le nom de Jésus. Quitte son corps et pars. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande à l'esprit de la sorcellerie dans la vie d'Élodie. Pendant que je pars, le feu sur toi. Le feu sur toi.
La table est célébrée. Voilà, gloire à Dieu, tu es délivré, quoi que soit. La puissance de Dieu. Quitte la vie d'Elohim maintenant. Là. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu vas partir. J'invoque le feu sur toi. Le feu sur toi. Gourie en elle. C'est un vilain démon. C'est comme un gourie en elle. Voilà. Voilà. Et qui va sortir tout à l'heure. Qui va partir. Voilà. Qui va partir d'elle. Parce que c'est une reine. Comme elle assise sur le trône. La puissance de Dieu. Voilà. Voilà. Sort d'elle. Sans toi, je parle. Quitte la vie de l'autre. Quitte sa vie. Va-t'en. Va-t'en, allez, va-t'en. Va-t'en. Voilà, va-t'en, va-t'en. Va-t'en. Tu pars. Tu pars. Tu pars. C'est un ordre. Tu vas partir. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Allez, quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Le feu sur toi. Quitte sa vie. Au nom de Jésus, je brise ce pouvoir. Je brise cette résistance par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Reçois, reçois la délivrance. Reçois, allez, le feu. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie dans ton âme, dans ton esprit. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Je détruis ce pouvoir par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu vas quitter son corps. Tu pars maintenant. Maintenant même. Tu n'es pas plus fort que Jésus. Jésus a décidé de libérer l'autre. Va-t'en. Va-t'en. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Allez, sors d'elle. C'est un ordre. Tu vas partir la libérer au nom de Jésus. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Le feu sur toi et le feu consume tes œuvres. Maintenant même. La puissance de Dieu consume tes œuvres. La puissance de Dieu. Tu pars. Je brise ta résistance. Tu m'attends? Je brise ta résistance. Je détruis ce trône. Je te détrône. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Que tu reçois ton miracle. Reçois le miracle de la transformation. Reçois le miracle de la délivrance. Ton âme expérimente la délivrance de maintenant. Ton âme expérimente la délivrance de maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois-la au nom de Jésus. Jésus te libère. Tu m'entends? Jésus te libère maintenant même, au nom puissant de Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus. Le pasteur Serge, touche un peu ses cheveux. Parce que, voilà, touche ses cheveux. Voilà, comme ça, je commande à l'esprit. Voilà, lâche. Voilà, vous voyez? Voilà, l'esprit va se déracer maintenant, c'est fini ça. Parce que l'esprit va aller se loger dans ses cheveux. Voilà. Non, c'est là, t'inquiète. Ce démon-là, il va partir maintenant, c'est fini ça. Parce qu'il faisait les va-et-vient, Voilà, il sera terrassé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Voilà, il faisait les va-et-vient. Voilà, c'est fini pour toi. Et tu quittes sa vie. Voilà. Il quitte sa vie. Voilà. Voilà. Allez, lâchez-le.
Des gens. Voilà. Dans la cour familiale au village, j'ai vu comme ils ont mis la chance de tous les gens. Alors, il faut qu'une mission soit effectuée parce qu'il y a la richesse chez vous. Il y a la richesse chez vous. Mais il y a la sorcellerie qui agit pleinement. C'est un réseau qui a été démantelé. C'est comme d'aller, j'ai envoyé en mission quelqu'un pour aller poser une acte là-bas. Vous allez voir que tous ceux qui sont sorciers vont commencer à parler. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui s'en sort. Parce que le plan que le diable avait préparé contre vous, c'est de vous humilier. Dieu vous a donné de la richesse. Amen. Vous construisez des maisons. Amen. Et la pauvreté allait vous détruire. Mais comme Dieu est Dieu, il va vous restaurer. Amen. Il va rétablir les choses. Amen. S'il vous plaît, attachez-vous à Jésus. Amen. Vos richesses, c'est dans le Seigneur. Amen. Nulle part ailleurs. Amen. Aucunement ce fétiche ne peut vous, n'est-ce pas, vous sécuriser la preuve. Malgré tout tes fétiches, la sorcellerie agit. Mais dites, note dès cette date, note très bien, après, note cette date. Frère, tu es tellement béni. Amen. Ta situation financière va se décanter. Amen. Et les gens seront étonnés. Amen. Ils seront tellement dépassés. Amen. Par ce miracle financier que le Seigneur a produit dans ta vie. Amen. Amen. Avant la fin de cette année, tu viendras rendre témoignage. Amen. Je prie que Henri, toute la richesse que vous avez arrachée, je prie depuis le village, vous avez attaché Henri. Je pars au nom de Jésus-Christ. J'ordonne depuis le village, je détruis cette chair, je brise cette corde au nom de Jésus-Christ. Je libère l'âme de Henri, transformée en cabri, que son âme soit libérée. Et je commande à l'esprit de pauvreté que vous avez injecté à la vie de Henri de partir. Je commande au démon de la sorcellerie qui a bloqué sa destinée jusqu'à aujourd'hui. Je commande à ces démons de le libérer. Son âme, je proclame la délivrance de son âme. Je proclame la délivrance de son esprit. Je proclame la délivrance de ses finances. Je proclame la délivrance de son mariage. Je commande et je proclame l'esprit de mort sur sa vie. Je commande à tout démon d'esprit de mort de libérer sa vie. Maintenant même, l'esprit quitte sa vie, quitte son corps, quitte ses finances, libère-le. C'est un ordre, libère-le au nom de Jésus-Christ. Jésus a décidé de le libérer. Ce monsieur si riche, ce monsieur si puissant financièrement, vous l'avez ruiné, vous l'avez jeté en train de l'humilier. La prison n'était plus loin de lui. L'humilier ou la prison et le détruire à jamais. Mais je détruis cette humiliation au nom de Jésus-Christ.
Je détruis ça. Et la mort qui a été programmée l'année prochaine est déprogrammée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je te communique la vie au nom de Jésus. Reçois cette vie. Reçois-la au nom de Jésus. Ton âme reçoit la vie et Dieu te restitue. Le diable, tout ce que le diable t'a volé, est restitué au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Je vais parler au nom de la famille. Ici, on ne force personne. On ne force personne. La preuve, c'est que celui qui ne veut pas parler ne te forcera pas. Je dors deux jours. Jeudi et vendredi. Et samedi, dimanche, je vais revenir sur le sujet. La maman qui a été citée dans la sorcellerie, si elle ne vient pas parler, bien aimé, ce ne sera pas de l'amusement. Le châtiment de Dieu va s'abattre. Tous ceux qui sont dans la confrérie. Alors, je vais rappeler Elodie. Elodie, elle est où? Elodie. Ça va, comment tu te sens? Bien, bah, ouais. Je me sens bien. Elle dit qu'elle se sent bien. Bien comment? Je suis fatiguée. Elle dit qu'elle est fatiguée. Qu'elle se sent fatiguée. Elle est légère, quoi. Il bien, ok. Mm-hmm. Elle dit bon, qu'elle se sent légère. Elle dit combien de temps? Quand il a mis, quand Minou a dit. Quoi? Elle dit qu'elles sont cinq. Cinq personnes font la sorcellerie. En tout, je dirais pas, nous sommes. Elle dit du côté paternel, elles sont cinq. Et du côté maternel. Et il bouge aussi. Hein. Elles sont cinq. Donc dix personnes. C'est vrai. Du côté paternel, il y a qui est-il dedans? Antijiji Jose Akenya. En bonne noise. En bonne noise, hein? Elle dit qu'elle a quatre camarades, plus elle. Côté papa. Et la grand-mère, quoi? En bouche, c'est bon. En bonne noise, hein? Elle a trois camarades, et puis sa grand-mère. Qu'est-ce que vous avez fait au village? Comme un crève là. Qu'on est? Elle dit qu'elles ont planté canari là-bas. Très bien. Et Henri, est-ce que quand je parlais là, est-ce que je lui ai demandé ça? Non. Non, papa. J'ai vu ça. J'ai vu les canaris. Il y a quoi dans les canaris? Mais qui est Bobé Agui? La viande de l'homme dedans. Et le bonnet de tout le monde, c'est ça? Et Mifa ne chasse à qui? Contrôler les gens. Ok, allez, va t'asseoir, tu es libéré. Et je vais revenir la suite samedi soir. Je préfère samedi soir. Comme ça, on peut vous libérer dimanche. Mais on va en finir cette histoire. Parce qu'il y a trop de choses dedans. On finira cette histoire. Allez vous asseoir au nom de Jésus. Allez vous asseoir. Personne n'est né pour être malheureux. Personne ne souhaite le malheur. Personne n'est né pour vivre le malheur. Chacun naît avec une étoile. La preuve, c'est que pour venir, pour féconder, pour rentrer dans le ventre d'une mère, c'est une bataille. Le plus fort qui rentre, n'est-ce pas, et qui devient comme un fœtus, et qui devient un enfant. Donc, on est déjà dans le processus de la création d'un bébé, il y a déjà l'esprit de championnat. C'est-à-dire qu'on est champion. C'est le vainqueur qui rentre dans le ver et dans le fœtus, et puis on devient fœtus, et puis on devient un être humain. Donc, on est champion. Mais on peut freiner l'élan de ta destinée, mystiquement. Et aujourd'hui, Dieu a décidé de vous délivrer. Tous ceux qui seront la base, où il y aura un ratissage.
Nous serons tous soudoyés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.